Et salut toi, derrière ton écran, c'est Gamaliel, j'espère que ça va comme tu veux. C'est l'heure de l'épisode 3 du follow sur Need for Speed The Run après avoir fait les parcs nationaux. On attaque le désert, les canyons. Dernière étape avant Las Vegas, la vallée de la mort. Du coup, ça va tracer, je pense qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de lignes droites. Des possibles crashs aussi, ça va pas vraiment être... très très tolérant, ça veut rien dire cette phrase de français, mais pas le droit à l'erreur, comme dans la plupart des courses, ceci dit. Évidemment, que tâche de chargement, que tâche de tout n'importe quoi, vu que les épisodes risquent d'être très longs, je veux vraiment être en dessous de la barre, les 30 minutes, 20, 25, 30 minutes, ça peut être bien, mais je veux rester sur une étape, un épisode, jusqu'à New York. Là, on va atteindre donc Las Vegas dans cet épisode 3, vu qu'il y avait l'épisode 0, 1, 2, et donc ça c'est le 3. Je ne dis pas de bêtises. Oui, effectivement, vu qu'il y a deux étapes, trois étapes. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Accélère, Jack, ou tu seras jamais à Las Vegas à temps. Oh, Jack. Ouais. Pas de casino. J'y avais même pas pensé. Allez, les mecs sont chauds patates. Ah ouais, je me rappelle. Ah, j'avais galéré ici en normal, je crois. Il me semble. Juste baisser un peu le son de mon casque, parce que sinon je vais gueuler dans le micro. Arrêtez-vous, hein, si vous voulez, dans les virages. Un peu de musique ou quoi dans les... Merde. J'adore cette Porsche. Vraiment. Je pensais pas avoir besoin d'autant de me concentrer. Un extrême. Bon, ce temps ne rencontre pas de grandes difficultés. Enfin, pas énormément quoi. Je vais regarder derrière mais j'ai foiré. Je rappelle qu'il faut être 50e avant Las Vegas. Est-ce que toutes les étapes seront aussi longues que l'étape 2? C'est la bonne question. Encore 7 voitures à rattraper en un peu moins de 6 km. Le cut est obvious. Mais est-ce vraiment un cut? Bien. Voilà, ça c'est la double enculade. Tu prends une voiture et après tu te la retapes. J'utilise mon seul flashback, je prends le risque. Je pense pas avoir le temps de rattraper tout le monde, donc je prends le risque d'utiliser le flashback. Mais là, plus le droit à l'erreur. Hein. Si je me plante, que le crash soit fatal ou pas, c'est la fin de la course pour moi. Donc, j'ai fait la même erreur. Bon, c'était pas très très cool ce que j'ai fait, mais il y avait un camion. J'avais trop peur qu'il me foute un coup. T'as 3 km, 6 voitures. Ça passe trop vite. À 2,50 de moyenne. Bon, c'est mort. Je pense que c'est mort pour cette course, clairement. Quoique. Putain, mais ils arrêtent pas de me gêner, quoi. C'est hyper relou, quoi. Et ouais. Ils me gênent tellement, ils avancent pas. Ah, c'est déjà la première épreuve en retente, c'est pas bon. Ça m'agace. Ouais. C'est agaçant. Perdre bêtement comme ça. Dommage.
plus, je suis clairement plus rapide qu'eux. Non mais, ils avancent tellement pas. On est censé être en extrême. Voilà, par contre, ça, pour faire ça, il y a du monde. C'est un truc de ouf. Bon, faut voir le bon côté des choses. Je suis plus rapide que tout à l'heure, du coup. Je connais le circuit. On a tout le troupeau qui est devant. Ah, qui m'a changé de couleur. Pour sa distance. J'hésite à passer à gauche ici. Tant pis. Petit coup de frein pour esquiver la M3. On n'a pas de visibilité, c'est chaud. Bon, ça va, le camion est loin. On est 6ème, c'est déjà beaucoup mieux. Je tente à l'extérieur, ça passe. Personne en face, non. Là, il n'y a pas beaucoup de visibilité sur ce genre de tracé. Un peu flippant. Hop, j'ai touché, mais rien de grave. Est-ce que c'est une bonne idée de doubler le premier maintenant? Sachant que du coup, il va me rattraper avant la fin, sûrement. Eh ouais, clairement. Non, c'est bon. Ouais, ouais, quand même. Hein. C'est chaud. Bon, c'était facile, effectivement. Pour la étape de fini. Tranquillement. Allez, suite du run. Parce que les serveurs autologues ont son contrôle fou un peu au final, vu que personne n'a joué en extrême. Apparemment. Du coup, on est toujours dans l'étape 3. Ils ne disent pas combien il nous reste de course, ni rien, mais bon. Vitesse moyenne 230. Ça va être que la ligne droite, je pense, jusqu'à Las Vegas. Évidemment, Las Vegas marquera la fin de l'épisode 3. Donc ça va être que tu disais encore, là. Combat dans le sable. Clairement, le moteur Frostbite est vraiment, vraiment pas fait pour un jeu de caisse. On voit qu'il y a la peine. Contre un mode poursuite de 2010, qui était quand même pas dégueu. Là, sur la route, c'est pas top, quoi. La ligne jaune s'affiche au fur et à mesure. Encore cette histoire de rester en tête, j'aime pas du tout. Mais... On n'a pas le choix, on va se mettre à contresens. Oh, non. Histoire de gagner un peu de boost, on voit rien du tout. Avec cette tempête. Voilà, je l'avais dit. C'est vraiment pas de bol, hein. Je me décale un peu au haut de la butte et... Faut que je me mange une voiture en face à ce moment-là. C'est vraiment mon manque de bol. Ah, c'est dommage. Mais bon. Là, c'est que la ligne droite, donc dans tous les cas, c'est pas vraiment sur un virage que je vais rattraper. Je prends des risques, mais bon. Il y a des voitures tout le temps à contre-sens, c'est un truc de ouf. Pour l'instant, je suis devant. J'ai de la chance qu'il n'y a pas trop de voitures. Il y a un raccourci ici, mais je sais pas s'il était très utile. Tant pis. Je pense pas que c'est ça qui va vraiment pénaliser. Pas trop de voitures sur le côté droit de la route, c'est plutôt une bonne chose, du coup. Bon, le dernier est là. C'est quoi ça? J'ai dit que c'était une McLaren, mais non, clairement pas, c'est une Lotus. Allez, on reste en tête. On reste en tête. Foufoufou, c'est chaud quand même. Je suis pas le malin. On passera même pas le niveau 19, je crois, jusqu'à la fin du run. Ici, ça se ressemble. Hein.
Mais oui, Camélia, c'est le désert, je sais. Quand même. Tout de même. Ah merde. 1081, poursuite engagée en code 3. Ça, c'est la tuile. On a les 8. Adversaire à attraper avant Las Vegas. Il faut être 150ème à Las Vegas. Et on a la mère à chaussée qui s'est jouée dans la course. Bon, après, on peut lui mettre des coups. De façon à le calmer, bon, ça lui a rien fait. En position pour 10-58, en attente. Négatif, il roule, toujours en code 3. Non. Du coup, en fait, il y avait un cut, je sais pas pourquoi. En fait, c'est là où on est arrivé. Hein. Si tu regardes bien, ici, c'est la fin de la précédente course. C'est ça qui est un peu dommage, en fait. Encore un cuff ici. J'ai pas perdu trop de temps, ils sont tous ici là. Bon, j'ai pas compté sur le radar, mais je crois qu'ils sont 8. Information pour nouvelle tactique, attendez. Voiture sur zone, code 3. Il y a des pseudo raccourcis à droite qui servent strictement à rien. Je perds tellement de temps là-dedans. Non, tu arrêtes rien du tout. Arrête-moi Las Vegas si tu veux. Bon là effectivement ouais. T'as vu, on dirait le cut. Non. Faut dire de conneries. Là clairement oui c'est un gros cut. Wouah. Je vais juste passer devant les keufs. Enfin, par-dessus les keufs. Comment on est en train de se fighter? Ils sont où les premiers là? Ah. Ah oui, il s'est fait stopper net. On se met à droite là vu qu'on voit rien. On se remet à gauche. Les mecs sont à 6 secondes. 6 secondes les mecs putain. 5 secondes. Reste 2 km. 4 secondes. Tu vois en haut à gauche, c'est marqué. 4 secondes 3. 3 secondes. Putain. Ah les bâtards. Du coup il en reste un mais c'est mort. Un kilomètre ça sera pas assez. 3 secondes. 2 secondes 9, 2 secondes 8. Ah c'est dommage, y'a pas grand chose. Il est là. 500 mètres. Oh non. Mais non. Mais non. Ah c'est tellement dommage putain. C'est dommage, je perds du temps sur des épreuves comme ça en fait. J'essaie de faire des épisodes courts et en fait je perds du temps sur des épreuves toutes connes en fait, elles sont easy. C'est dommage. Oui, on sait. Putain, c'est tellement dommage. On sait, ouais. Tu peux rêver. On va se mettre en caméra star vu que c'est là je saute par-dessus les keufs. On va observer. On a un petit côté spectaculaire à la course. Attention, keuf ou pas? Wouh! Voilà. Juste ça. Du coup, à 3,5 km de l'arrivée, on est déjà. On a déjà gagné 5 places. C'est pas négligeable. Que soit. Ne me gêne pas. Non, c'est ça. Attention, réduisez votre allure. On a Mustang là. Ah c'était le lui? Ah merde, j'ai même pas fait gaffe. On reste bien à gauche pour bien récupérer du boost. On prend l'intérieur quand même pour grappiller un peu de temps. On se remet à gauche. On fait attention. Toujours être prêt à passer à droite au cas où. Full boost. Oh quand même pas mal XP là. Attends. On passera je pense niveau 19 Allez, à mi-chemin je pense du run. Je pense. Évidemment on est toujours pas à Las Vegas. Il doit rester une étape ou deux. Je suis 150ème, hein, comme prévu. Ah.
un semblant de scénario. On s'en fiche un peu au final, mais ça remplit les chargements. C'était à peine cliché. Et nous voilà donc à Las Vegas. Il faut battre Nikki et Mila. Ça aurait dû être Nikki et Brie, quoi. Certains comprendront pourquoi, d'autres pas. Bah alors. Allez, on a plus qu'à bombarder. On a 7 km. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Une voiture qui vient de disparaître en temps réel. Ça c'est étrange. Et voilà. Bien fait de changer de voix, moi. Hein? J'ai bien fait. C'était la meilleure idée du siècle, Gamaliel. Voilà, je passe à travers. Aucun respect. Est-ce qu'on réussit à rattraper Nikki ou Milan? Je sais pas laquelle est laquelle. On a 3 secondes d'elle pour l'instant, 3 secondes 6. Je vais me faire attraper par je sais pas qui non plus. Ça tombe bien, hein. 2:30. Ah, on peut dire qu'il vient de se casser la gueule. Ah, je l'ai en visu. Y'a pas une section avec des piliers? Ah ouais, putain, ouais. C'est la tuile. Je me fais tracer là, non? Je me fais tracer. Je me fais tracer de ouf. Attention, le suspect recherche les signalés, roule en direction de l'est sur la I-95. Oh non, pas les coffres. Demande unité libre de poursuite. I-4, on va vous trouver du monde. Putain, les keufs, quoi. 900 mètres, ça sera assez ou pas? Je pense pas. Peut-être que si. Poussez-vous. Je suis en stress. Oh là là, nickel. Ouais. Voilà. Mais je suis concentré. Il était pas en t-shirt quand il est monté dans son BM, là? C'était juste. Chicago dans les 50 premiers. Hein. De récupérer une centaine de places. Je pense pas qu'il y aura de cut dans cette étape 3 du coup à part les chargements. Mais je cutterai pas les runs. Suite du run. Si je peux faire suite du run, je crois. Normalement oui. On est toujours en étape 3. On est toujours en étape 3, attention hein. C'est pas fini. Eh oui, c'est pas fini. Je pensais que Las Vegas allait conclure étape 3, mais non. Eh oui, attention, attention. Étape dominée 0. Qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas, mais. Et ouais, encore une course. Putain, il y a 10 positions quoi. Ça ne se terminera jamais cette étape 3. Demande une idée libre de poursuite. Bien sûr, on est à deux blocs planeurs. Perdu contact visuel, attendez. La voiture a beaucoup souffert là. Le placement éclair, tu m'étonnes. Ouais,
13, demande toutes les unités sur 1073, vite. Affirmatif, attendez. Bon, je passe par là. Je sais pas ce que ça vaut, mais. Non, contact est bloqué. Un suspect se rapproche. Affirmatif, on se prête. Quoi, c'est dire, on fait de la sens inverse. On... Ça me paraît compromis d'un kilomètre, attraper 5 voitures. À moins qu'il se bouffe le barrage. Non, qu'est-ce qu'il veut? Quoi ce bordel devant? C'est bon. Ah ouais. Lui par contre. Lui par contre, je l'ai défoncé. Violemment. À partir de là, je vois pas trop l'intérêt quoi. 1,5 km, 5 voitures. Je crois pas, vraiment. Unité locale demandée pour un nouveau barrage. Bien reçu, unité 1023 pour barrage. Je crois pas du tout. Suspect à pleine vitesse. Bon, les gars quoi. Le barrage. Allez, allez, allez. Forcément, si vous faites ce genre de conneries, ça me paraît évident. Code 6 introuvable, attendez. Ah ouais, c'est bon en fait. N'importe quoi. Ah cette course. Mais what quoi. Voilà. 50e national à Chicago. Est-ce que c'est bon ou pas? Bonne question. Toujours pas. On est toujours en étape 3. Bon, 2 km ça va. Surtout à Las Vegas, ça va être easy. Ou pas. IAG. Ouais. C'est dommage que les... Les flèches orange la cassent vraiment le délire. C'est bon, on va sortir, ne vous inquiétez pas. On se concentre, on esquive. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Hein? Ah oui, c'est vrai. Ils m'ont arrêté. Voilà! On va varier un peu les séquences. Ouais. On va jouer sur les réflexes. Et c'est parti. Mourrez toujours, mourrez pas. Ça c'est original pour une force mille. Ça met un peu de rythme. Ok. J'ai pas pu assez vite. Sorry. Eh mais que j'ai plus vite, j'ai plus vite. C'est pas. Hop. Évidemment, quand tu connais par cœur, c'est plus facile. J'ai envie de découvrir les QTE. Je crois que c'est plus ou moins les mêmes touches. A pour toi, évidemment. Y pour sauter, normalement, voilà. Ah, d'accord. Oh, gentil les chiens. Ouais. J'appuie hein. C'est pas grave. Je fais l'appui plusieurs fois. Attends. C'est pas le même chien en fait. Ah si, ça va plus même. Ok. Je suis bourré, je pensais. Comment c'est le même?
Ouvre-toi, bordel! Ouais, t'es vachement discret. Ta cascade, ça t'a pas servi à grand chose. Donc c'est Michael Bay qui a réalisé Need for Speed. Une scène de tournage de Transformers. En vrai, il a fait un trailer, Michael Bay. Need for Speed. De The Run. Bon, je pense que cette fois-ci, on a fini l'étape. Normalement, ce serait bien. Du run. Bah stop. Ah voilà. Prochain lieu. Ah non, c'est pas fini. J'ai craqué les gars. J'ai craqué. Ça, ça fait des grosses vidéos quoi. J'aime pas trop cuter, j'aime pas faire ça en fait. Mais bon. Ah, on va changer une nouvelle voiture, c'est ça? On change de classe direct. Évidemment, on va aller vers la Lamborghini. Ouais, clairement. Je kiffe les Lamborghini. Du coup, encore un changement. Et non! Heureusement, c'est fini. Non, je crois que c'est jamais se finir. Ça fait quand même pas de 40 minutes de vidéo avec les chargements cutés. Donc là, ce mois, mi-premier, effectivement, je suis tout seul. Personne n'a joué en extrême. Bande de coups molles. Et du coup, on va se retrouver samedi prochain pour l'épisode 4, l'étape 4 qui sera je ne sais pas où. Voilà, ça sera le mystère de l'épisode 4. En attendant, comme d'hab, les pouces, les likes, les machins, les abonnements, fais comme tu as envie de faire. N'oublie pas de me suivre sur Twitch, vu que je live de lundi, mardi, jeudi, vendredi de 21h à minuit. Donc ça t'intéresse de me voir en live sur Trackmania, Track Club, etc. etc. N'hésite pas. Et puis je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle tu fais cette vidéo. Et puis n'oublie pas qu'à moi j'oublie. À la prochaine, tchuss.